à la peste control. Voilà. Il faut contrôler la peste. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss, gentlemen, you'll remember that. Yeah, yeah, okay, Tom. Boss, okay. I gotta tell you this. He's not straight. C'est qu'un associé. Je trouve qu'il a beaucoup de pouvoir pour qu'un associé. Bref. Bref, c'est sympa, hein, l'ambiance. Non, j'étais pas encore là. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Ancelotti's. Somebody got to my people. So what do you want to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Angie. He's too straight. Ah oui, Angie, la meuf. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize. But he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up. Me dis pas qu'il faudra que je fasse un choix là, parce que j'en ai marre des choix. C'est chiant. Hi there, Kate. It's me, Nico. You wanna hang out sometime? Come pick me up. I'm. Ah cool. Allez, j'arrive. Ok, allons-y. Allons vers mon amoule. Salut. Ça va? Ouais, t'inquiète. Merci. Ah non, pas le truc de striptease. Le théâtre comique. I don't want to believe that every man in my family was as bad as my brothers. My dad was a drinker and he sure had a temper, but I believe in my heart of hearts that he was a d'après ce que m'a dit Paquin, non. What did your brothers think? They hated him. They'd fight with him and scream at him and run away for days at a time before he dragged them home. None of the boys liked my dad, and he didn't appear to like them much either. He believed in discipline, you know? But what was different about you and him? I was his princess. I was the little girl. And I didn't give him a reason. Oh putain, il pleut. I guess I played up to it even more because my relationship with him was something I had that the boys didn't. Dad drove my brothers mad. I sometimes think that the reason they act the way they do is rebelling against him. Sorry, Nico. Talk about armchair psychology. I'm boring you. Not at all, friend. Families are strange things. En tout cas, j'ai bien fait de mettre ses habits. Je les garderai pour la prochaine fois. Je sortirai avec elle. Elle a l'air de bien aimer. Bref. Great, my favorite. Ah, c'est ce que tu préfères. Allez, vas-y, je mise tous les points. I had a good je me suis très bien amusé. You're a great guy for a maniac, but I'm going to bon. Bed. Good night. Well, ouais, good bonne night nuit. Bon, la prochaine fois, faudra que je teste de ne pas tenter ma chance. Avec un peu de chance, c'est la psychologique inverse. Hein? Et arrête de me le regarder en t'arrêtant. Ça me fout les nails. Putain, la vierge. Hello, Dwayne. You want to head to the strip club? Thought you must have lost my number, son. Been a long time. Too long. Don't matter. Yeah, pick me up the next hour. I'm on my way over. Hey, Nico. Let's find a car. Hey, regarde. Il y a une caisse juste ici. Sorry about the smell. How you doing, man? Yeah, me too. Shit's on the up.
I hope, although as soon as I say that, I begin to worry. I'm about my dad used to always say. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les ruelles? You can only be pleasantly surprised. He say that, then he hit me. He doesn't sound like a nice man. I was a fucking fool. He got his, though. He tried to rip off some local dealers. I remember the night they killed him. There was a knock at the door. My mom cried, but I don't think she meant it. I hope she didn't. You know what I felt? No. I felt nothing, man. Nothing. Not happy, not sad. Just nothing. My pop's dead and I didn't feel a damn thing. Shit's fucked up. Ah, le fameux club de striptease de Phil. Allez, viens. Dwayne, on va se marrer, moi, je te dis. Okay, man, let's go see some pussy. Ouais. Any trouble, you're out. Ouais, si on fait du trouble, on sort, bon. Be cool, Nico. I'm gonna check out the cooch up in here. Ok, tu vas aller voir les Japonais. Mais ouais, on y va. Come on, allez, on va faire la moule. D'accord. Ah là là, putain, là, en Serbie, putain, ils étaient tout mous, tout là, plapla. Bon, allez, on y va. Hein? C'était du niveau de Dwayne, hein, c'est pour te dire. Ah, putain. Ça veut dire, ils avaient des beats. Ouais, mec. Bon, allez, c'est l'heure de se quitter. Ouais. Tu peux le débloquer la compétence, s'il te plaît, mec? Nico, t'es un vrai pote pour moi. N'hésite pas à me contacter si t'as besoin que mes gars viennent te filer un coup de main. Ouais, mais par contre, t'étais ce bâtard quand même de me l'avoir retiré juste parce que je suis pas venu une seule fois. Wesh, allô? Bon, ben, faut que j'aille voir, hey. Et en plus, Estoland, c'est pile poil là où je suis, hein. Putain, je suis très bon, moi, quand même, hein. Voilà, bon, c'est juste là-bas. Bon, ben, on y va avec mon bon vieux Desert Eagle que je n'ai pas lâché depuis le début de ce jeu. Oh là là, je suis trop content. Allez, on y va. Et il me faut une voiture. Attends, ça peut se faire. À moins que j'en pique une. Attends. Qui a une bonne voiture? Oh, toi, t'as une... Ah, toi, t'as une bonne voiture. Merci, salut. Alors, au revoir. Allez, maintenant, on peut y aller. J'ai Vincent avec moi. Il est cool. Bon. Monsieur Pegolino. Ok, donc je les suis en attendant cette occasion. Bon. Alors, s'il vous plaît. Vous avez un bonjour de Monsieur Pegolino. Voilà, bonjour. Dites bonjour. Voilà, bye bye. Alors là, vous pouvez plus fuir en véhicule, bande de bâtards, là. Alors... Mais putain, visez-moi les bonnes personnes. Ouais. Ouais, putain, ça pète pas les trucs, ils sont en rupture d'essence. Eh, mais le mec, il est mort, là, te fous pas de moi. C'est qui d'autre qui est censé être mort et qui ne l'est pas? C'est toi. Toujours pas? Voilà, c'est bon. Bon, bah voilà. Te fuir avec des vite. Ah, salut Paquet, t'es là. So, we're gonna need some wheels.
Oh bah tiens, justement j'en ai une. J'adore faire ce coup là, ça me fait trop rire. Bon allez, on y va. Hey mon Paki. Ouais. Alors. I like it how you stayed together. All of us except for Francis. We stayed together when it was possible. I guess we got Ma to thank for that, taking us to church and cooking a good lunch for the family on a Sunday. When Jerry first went to juvie, he kept laying a place at the table for him. That was until my Pa got into a drunken rage one week and threw Jerry's plate against the wall. What happened? Ma didn't even flinch, she just sat there. The next week, Gerald's place at the table was empty. She must be a strong woman. That's what I thought at first. Now I just reckon it was denial. She got this power to switch off. When Paula get drunk and do things, she just glaze over. I don't know, she's my mom, but I ain't never gonna understand that. There's a lot that I am never going to understand, Becky. A whole fucking lot. En tout cas, vous avez de sacrées relations familiales quand je regarde les trucs, hein. C'est pas possible, hein. Que ce soit toi, Dwayne, c'est génial. Allez, on y va. Il ne voit plus rien. I can barely walk or think, let alone drive. Allez, monte, Paki. Et fais pas chier. But I don't want to fuck you. Ah, comedian, ladies and gents. Je conduis. Europe is near Ireland. Only the people that are backwards and hairy. Whereas you're really civilized. I'm civilized. I know a lot about sizzle evasion. I went there once, didn't like much, went back to the madhouse. Hey, I'm drunk. On a bien bu, hein? That was a good crack, man. Catch you around. Un secrute. Roman, good to speak to you. I needed to talk to a friend. Why? What's wrong? I think it's my conscience. I don't know. A conscience? Have you killed too many people, Nico? Perhaps. That man who I worked for, Ray Bacino. I was asked to kill him and I did. He was a cockroach, a pest. But I don't know how long I can keep on dealing in death. It must be difficult. Maybe there is another path to take, a less violent one. I'll speak to you soon, okay? D'accord. Alors, quelqu'un veut vous rencontrer, faire du sexe, ouais, je m'en fous. Loman, grande nouvelle. Nico va te faire foutre, j'étais avec deux nanas, je suis jamais sorti avec un mec, pas comme toi, hein. Plus tard, là, man, je peux pas croire que j'ai oublié de vous parler de mes derniers exploits avec Nico, les derniers jours sont passés tellement vite, vous n'allez pas me croire, il a fallu que je nettoie à la vapeur mon appartement encore, on dirait une bombe a éclaté dans la cuisine, la chaise longue est couverte de... Oh mon dieu, ces Européens, quel pervers, Eddie m'a dit qu'en Espagne, il y a un village où tous les hommes ont épousé des sangliers, what the fuck. Ok, mais c'est bon, je parle sur le prochain. Mon mystère européen m'a vraiment surprise aujourd'hui en m'invitant dans un de mes restaurants préférés d'Algorin. Venant d'un homme pour qui la mode se résume à choisir des chaussettes assorties, j'étais agréablement surpris. Je commence à croire qu'il y a de l'amour dans l'air pour votre petite fille de bonne famille. Je veux vraiment lui conseiller une moute en sauce en entrée, mais je suis pas sûr qu'il aurait capitché. C'est allemand pour ceux qui ne savent pas. À Paris au plein temps, je navigue vraiment en territoire inconnu. Je crois que j'ai toujours apprécié un peu de brutalité, mais jamais en public comme ça. Si Paige et Eddie avaient vu Nico, elle serait tombée raide. Je repense souvent au jardinier de la maison de campagne de mes parents. C'était très agréable, ses ongles classés, sa barbe dure comme du papier de verre. Miam. Pas étonnant que j'ai raté mes examens d'entrée à l'université. Et puis salope de mère s'en est aperçue et puis a essayé d'annuler toutes mes cartes. Oh putain. Ouais, les 6 derniers jours devant un écran vide et maintenant j'ai envie de laisser mon âme. Les 6 dernières heures. Tant moi être une femme libérée, c'est une question de prise de toi. Ouais. Aujourd'hui, mon mystère européen m'a emmené dans un cabaret russe de broker. Ce n'est pas le genre d'endroit que fréquente votre mondaine d'Algorin, belle à d'amener un saint, mais j'avais sniffé des calmants toute la journée, je dois bien avouer que j'ai quand même apprécié. J'aurais peut-être dû monter sur scène pour faire mon truc avec la balle de ping-pong. Les spectacles de ces Européens sont tellement pittoresques, tellement décalés.
Quand on n'a pas la télévision ou une bonne ordonnance pour les pilules, je suppose qu'on ferait n'importe quoi pour meubler sa journée. À la prochaine fois, je l'emmènerai au club de striptease. J'ai parlé de Nico Appel, et elle m'a dit qu'en Europe de l'Est, les gens chialaient à bord de la route dès que l'envie les prenait. Quelle horreur. En fait, mes nouvelles pilules sont géniales. Mon médecin est prêt à me prescrire la moitié du stock de médicaments de Holland Hospital Center si je me déshabille massivement. Je ne sais pas si c'est à cause de Nico, mais je me sens toute chaude et poisseuse à l'intérieur. Serait-ce l'amour ? Ou simplement les premiers grondements d'une bonne diarrhée à cause de la coke. Oh, elle commence à tomber amoureux. Ou avoir une bonne chiasse.